Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement et des réglages de la vis de benne. Alors cette vis qui se situe dans la benne de la machine va servir à répartir également la vendange à l'intérieur de la benne. Sur cette vis, on va retrouver de nombreux réglages. Le tout premier ici, qui est un réglage mécanique, va nous servir à régler la position de la vis à l'intérieur de la benne. Donc ce réglage est à effectuer en fonction de la quantité de vendange qu'on va avoir. Donc on va retrouver un premier point de réglage ici à l'avant de la benne. Donc on voit bien que la vis est montée sur des lumières et on peut faire pivoter la vis à droite ou à gauche. Ensuite, il va falloir régler la vis aussi à l'arrière de la benne. On va trouver différents trous de fixation pour la vis de benne. Donc évidemment, si on règle la position de la vis de benne à l'avant, il faut aussi venir ajuster sa position à l'arrière avec les différents trous de réglage qu'on trouve ici. Ça va permettre d'avoir une vis qui est parfaitement alignée à l'intérieur de la benne. Une fois que la position de la vis de benne est correctement réglée à l'intérieur de la benne, il va falloir bien régler la vitesse des convoyeurs pour que la vendange arrive derrière la vis de benne. Ça va permettre de bien répartir la vendange. La vis de benne va avoir deux modes de fonctionnement. On va retrouver un mode manuel et un mode automatique. Quand on est en mode automatique, la vis de benne va se servir des informations des capteurs de niveau de benne proportionnel pour pouvoir répartir la vendange. Pour pouvoir faire fonctionner la vis de benne en mode automatique, on va donc retrouver deux capteurs de niveau de benne proportionnel. Le premier se situe à l'avant de la benne gauche de la machine et le deuxième se retrouvera à l'arrière de cette même benne. Si on va dans le menu Contrôle machine de l'IntelliView, on va retrouver les différents boutons virtuels qui vont nous servir à commander la vis de benne. Alors on va retrouver un bouton pour l'allumer et l'éteindre, sachant que dès qu'on va démarrer la machine, la vis de benne sera automatiquement allumée. Ensuite, si on se sert de la vis de benne en mode manuel, on va retrouver un bouton qui va nous servir à faire des inversions de vis afin de répartir parfaitement la vendange dans la benne. Et si on se sert de la vis de benne en mode automatique, on va retrouver ce bouton-ci pour l'activer. Et à ce moment-là, la vis de benne va prendre les informations des capteurs de niveau de benne proportionnel pour répartir la vendange automatiquement. Dans le menu Configuration de l'IntelliView, onglet Opérations, on va retrouver différents réglages qui sont directement liés à cette vis de benne et à ses capteurs de niveau proportionnel. Le premier réglage va vous offrir la possibilité de faire tourner la vis de benne lorsque l'on vide les bennes. Ce système-là va permettre à la vis de benne de se débarrasser des différentes grappes qui seraient restées coincées à l'intérieur. On va ensuite avoir la possibilité d'activer un gyrophare ainsi qu'une alarme lorsque les bennes sont pleines. Donc ça va être directement lié au capteur de niveau proportionnel. On peut même indiquer à partir de quel pourcentage de remplissage on veut faire apparaître cette alarme. On va ensuite retrouver deux paramètres qui sont niveau arrière haut pour direction et niveau avant haut pour direction. Ces deux niveaux en pourcentage qui sont évidemment réglables vont vous permettre de pouvoir régler votre vis en mode automatique et lui dire à partir de quel niveau de remplissage on veut que la vis fasse des inversions de sens. En fonction de ça, on va pouvoir répartir la vendange parfaitement dans la benne.